Pour que je vois un coup d'abord. Ouais, mais du coup, là, tu fais une vidéo que Leclerc. Leclerc. Après, ça sera Lidl Paris. Aldi. Aldi. Bonsoir à tous. La Queen Cécile numéro 2 arrive. Ouais, numéro 2. Saison 2. Parce que t'as fait la saison 1, là, c'est la saison 2. Hello. La meuf, hello. Salut la reine. Ah, attends, on a oublié quelque chose. Bon. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Vas-y, pour rigoler. Non, c'est bon, j'ai dit. Pour rigoler. Mais tu en l'as pas mangé, tu vas pas ouvrir le truc. Mais c'est normalement, j'ai dépensé de la part. Sérieux. C'est bon, oui. C'est bon. Écoute, oh bah, je suis trop petite là-dessus. Là. Ah non, ils l'ont mis dedans, c'est con. Bon, bah, laisse tomber alors. C'est pas grave. Mon bébé. Bon, alors, on a été faire... T'as fait le beau jour? Ah oui. Leclerc. On a été à Leclerc. On était parti pour faire juste quelques petits trucs, mais en fin de compte, on a fait un gros truc. Un grand truc. Comme on a fait un grand haul de course parce qu'on a pris ce qui nous manquait. Et puis voilà. Bah, beaucoup même. Puis bon, on s'est acheté des petits trucs pour nous aussi. Enfin, vous verrez par la suite. Donc là, j'ai pris. Enfin, on a pris. Enfin, non, c'est surtout pour moi ça parce que Guillaume, il aime pas. Quatre coquilles Saint-Jacques aux champignons, la marque repère de Leclerc. Elles sont aux champignons, il y en a 4. 360 grammes. Donc ça, je vous les présente parce que c'est surgelé. Alors, on va les mettre au surgelé. Voilà. Ça faisait longtemps que j'en avais envie d'en manger. Et je dis, tiens, je vais en prendre. On avait plusieurs goûts. Il y avait champignons. Il y avait poisson, fruits de mer. Et il y avait, je sais plus... Et il y avait aussi la marque Tipiac, mais bon, dis donc, elles ne sont pas données les Tipiac, hein, 5-6 euros. Mais bon, tant pis, quoi, ça c'est très bon. Il y en a 4. Voilà. Tiens, je peux mettre au congélateur ça. Vas-y, pause, je mettrai après. Parce que ça va... Pause, je mettrai après. Après. J'ai repris du... une recharge de crème lavante pour les mains. J'ai pris velours d'amande. C'est la marque Manava, mais c'est la marque repère aussi. Je sais quoi, de Leclerc. C'est pour mettre dans mon recharge de savon parce que on en a presque plus. Voilà. Bah, je vais mettre ça là. Après, j'ai pris des brefs pour les toilettes parce que j'en avais plus du tout. Ça faisait un petit moment. Donc, bref, color actif, ceux-là, c'est ceux qui rendent l'eau bleue. Ils sont très bien. Il y en a deux. Un plus un gratuit. Voilà. Et j'en ai pris des parfumés. Switch de parfum. Pomme verte. Ah bah c'est pomme verte. Ah non, pomme verte et fleurs de lotus. Voilà. Il y en a deux aussi. On dirait des bonbons, je vous jure, les trucs, on dirait des bonbons. Ça sent bon là. Hein. Guillaume s'est pris une petite crème Nivea. Enfin, c'est moi qui lui ai pris une petite crème Nivea. Men, c'est pour les hommes. Je lui dis qu'il l'emmène à son travail s'il veut mettre sur ses mains ou son visage ou son corps d'homme, d'athlète. Regardez je comment... ne dirai rien. Regardez comment elle est mimi, franchement. J'ai pas trouvé pour femme. Bien fait. Ce serait bien qu'il fasse pour femme aussi, comme ça on peut mettre dans nos sacs à main. Donc j'espère qu'il va y penser. Tu vas y penser, j'espère. Tu la mettras dans ton vestiaire. Ouais. Comme ça, quand tu peux te mettre. Non, je vais te demander ça. Si jamais on ouvre mon vestiaire, on va te demander. Eh bien, on va l'ouvrir ton vestiaire. Alors là, on a pris les sacs. Oh, ça y est, on y a pensé, parce que ça fait 15 jours qu'on n'y pense pas, les sacs poubelles. 25 sacs poubelles, et encore, c'est moi qui ai dit à Guillaume, parce qu'on est passé devant, mais Guillaume, il n'avait pas pensé. Donc j'ai dit, prends les sacs poubelles. Donc 25 sacs poubelles, 50 litres avec les anses, c'est pour refermer. La marque Eco. Après, je me suis pris une petite batte. Je voulais prendre une grande, mais en fin de compte, j'ai pris une petite. Je ne sais pas pourquoi. Et puis, je prends une grande. Petite badoie rouge intensément pétillante. Ça fait longtemps que j'en ai pas bu de la badoie. C'est une petite bouteille de 50 centilitres.
Je sais pas où mettre les trucs. Alors, on y a été dans les jus, hein, je vous le dis. On a pris du jus, mais ça c'est pour Guillaume, pomme, kiwi. Mais je goûterai aussi Jaffaden, la marque Jaffaden, marque Repère. C'est une bouteille de 1 litre. Après, on a pris, ça c'est pour moi, l'autre, banane. Nectar de banane. Pareil, toujours la même marque, hein, Jaffaden. Après, j'ai pris du Pago, parce que j'adore le Pago. À la cerise. Jamais goûté à la cerise. C'est une bouteille de 0,75 litres. Il y en avait à l'ananas, il y en avait au citron, fraise, mais fraise, on a déjà goûté. Il y en avait à la mangue, avec je sais plus quoi. Il y en avait plusieurs Pago. Mais là, j'ai cerise, on n'a jamais goûté. Donc, on verra bien. Et, ah oui, j'ai trouvé la boisson pour Guillaume qui est arrivé à Chaldi. Il y en a plus en ce moment, je sais pas. Donc, heureusement que j'ai vu ça, il n'avait pas vu Guillaume. C'est du jus orange, carotte, citron, c'est ce qu'il prend chez Aldi, mais en petite bouteille. Je sais pas si vous vous rappelez. Donc là, c'est vraiment, carrément la grosse bouteille. Donc au pire, s'il veut emmener à son travail, il pourrait y mettre dans une petite bouteille. Et puis voilà. Ça, c'est les jus. Après, on a pris du cola de la marque Repère, Jeans Cola Français Classique. C'est une bouteille de 2 litres, je crois. Ouais, 2 litres. Voilà. Comme ça. On est tranquille. Le Fanta, pareil pour moi, 1,5 litre. À l'orange. Moi, je voulais l'exotique, mais ils n'en avaient pas. On a repris une bouteille de sirop grenadine parce que j'ai dit que on arrive à la fin de l'autre. Et comme ça nous. On garde un moment quand ça même. Fait un mois et demi. Celle-là, c'est une bouteille de. 2 litres, plus. 1,5 litre. Sirop grenadine, elles sont très bonnes. C'est la marque Frusci. Marque Repère de Leclerc. Il s'est pris son chocolat. La marque Eco. Chocolat en granulé. 800 grammes. Voilà. Après. Je me suis repris mon adoucissant. Je l'aime bien celui-là, parfum, c'est soupline, concentré, parfum suprême, l'audacieuse, hibiscus bleu et blôme hibiscus. J'adore, il sent super bon. C'est pour 34 lavages et c'est une bouteille de, je ne sais pas, de litres, 800 millilitres, 800 ml. Non. J'ai repris une bouteille de Jeans Cola Français saveur cerise. C'est le Coca-Cola Chéri, c'est pareil. Sauf que c'est la sous-marque. Parce que Guillaume, il m'a pris ma petite bouteille de Coca Chéri que j'avais achetée au fond. Donc là, c'est une bouteille de 1,5 litre. Alors, je suis dégoûtée parce que je cherchais mon produit pour laver à la senteur pain de la marque Repère. J'adore ce produit. Ils sont super bons. Et ben là, il n'en avait pas. Donc, j'ai repris Monsieur Propre, fraîcheur d'hiver. Moi, j'aime bien Monsieur Propre aussi, mais j'aime bien cette senteur-là. Il sent bon quand on lave par terre. Donc, c'est une bouteille de 1,4 litre. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, rien, je l'ai hoqué. Oh, j'ai cru qu'il était en train de mourir, moi. Ça fera la troisième fois. Voilà, Monsieur Propre. J'aime bien Monsieur Propre. Deux fois plus efficace. J'ai repris le gel anti-calcaire pour mon lave-linge, 2 en 1. J'avais pris Kagon et puis j'ai vu qu'ils avaient ça. J'ai dit, ouais, très bien pour ma machine, donc j'ai pris ça. C'est une bouteille de 750 ml. Voilà. J'ai repris du produit à vaisselle. Mire-vaisselle, secret du monde, Japon, cerisier et fleur de lotus. Ils sentent super bon celui-là. C'est une petite bouteille de 500 ml et petite connerie derrière mon dos. Après, alors oui, alors là, on a pris une boîte pour les chats. Grosse boîte. 44 sachets maxi pack. Enfin, c'est les Félix délicieux duo.
Sélection de la campagne en gelée avec des légumes. Donc il y a bœuf et volaille avec des haricots verts. Il y a agneau et poulet avec de la tomate. Dinde et canard avec des carottes. Porc et gibier avec des courgettes. Et il y a 44 sachets. Normalement, je crois bien qu'on va peut-être même jeter une autre boîte et remplacer. Voilà. 44 sachets. Comme ça, on est tranquille normalement pareil pendant un moment. Hein. Celle-là, elle est pas non, elle est pas bleue. L'autre là-bas. L'autre, c'est des réserves. Faut les garder. Oui, mais elle avait le couvert qui est. Sinon, on prend celle-là à la place. C'est bizarre le couvert. C'est ça. Bon, fais tes trucs, moi je m'occupe de ça. Donc la boîte, voilà, je vous l'ai présentée. Tiens, j'ai appris, alors ça fait un moment que j'avais pris une fois à Intermarché et pas moyen d'en retrouver. Et là j'ai dit à Guillaume, oh là là, Guillaume, faut que j'aille voir si je trouve pas mes îles flottantes. Enfin les îles gourmandes au choco. Il me dit, oh là là, on arrive dans le rayon, je vois îles flottantes, îles flottantes, îles flottantes. Putain, je voyais, ils en ont pas encore. Et puis en dessous, je voyais chocolat. Ah bah oui, les gens, ils avaient sûrement quelqu'un qui avait dû prendre des îles flottantes normales et le remettre à sa place. Et ben eux, ils avaient mis sur le truc de chocolat. Alors, je voyais rien du tout, moi. Et ben, je les ai quand même vus, chocolat. Donc, de la marque Yoplait Maxi Format, 8 pots, recette gourmande. Ça s'appelle les îles gourmandes au chocolat, au choco. Des sains lactés au chocolat. Je vous les conseille, c'est une tuerie, ces trucs. Ça se mange en... comme du petit lait. C'est trop bon. Il y en a 8. Trop bon, trop bon. Après, alors Guillaume, il a repris de l'entrée, donc c'est-à-dire il a pris de la mousse de canard et de la mousse de foie. Chacun son pâté. Marque repère. Hop, c'est des petites tranches, vous savez, comme ça. Voilà, c'est des petits trucs de... Bonjour mon bébé. Oh mon bébé, 50 grammes. Ça fait 100 grammes. Oh, j'ai bien calculé. Voilà, après il a repris dans le même format, sauf que ça c'est marque repère, ça c'est madrange. Terrine de campagne, dorée au four. Oh, ça doit être bon ça. Porc élevé sans antibiotiques dès la fin du sevrage. Donc voilà. Pareil, c'est des petites tranches de 50 grammes. Regardez. Toutes mimi. Voilà, il y en a deux. Après, ah oui, alors il y avait pour le nouvel an chinois, c'était rempli. Hein. Il y avait plein de trucs. Hein. Ah, franchement, là, on avait de quoi faire. Hein. Il s'est pris des nouilles végétariennes à la. Oh là, à la hongkongaise. Hongkongaise ou hongkongaise. C'est une petite boîte de 250 grammes. Ça, c'est dans les trucs rayons pour nouvel an chinois. C'était rempli. Il y avait des nems, il y avait tout sauf que moi, le truc que j'aime bien, le ravioli pékinois, là, il n'y en avait pas. C'est une petite boîte de 250 grammes. Voilà. Après, j'ai pris des colins d'Alaska 100% filet meunière. Si j'en ai envie. Nous, on aime bien, Guillaume et moi, ceux-là. C'est la marque Cité Marine. C'est le poissonnier à Leclerc qui fait ça. Donc, Colin d'Alaska, il y en a deux. Donc, voilà. 200 grammes pour les deux. Et les meunières, c'est bon ça. Avec une petite salade ou pommes de terre, des haricots, verts. Ça. Oui. Après, j'ai pris pour le petit déjeuner ou comme ça, si on a envie de manger. C'est la première fois que je vois ça, des bretzels aux amandes. Multiplié par deux, donc il y en a deux. Mais il y avait aussi au chocolat, mais Guillaume m'a dit, oh non, pas au chocolat. Donc du coup, j'ai pris normal aux amandes. 1,95€ les deux. C'est la première fois que je vois ça. Enfin, chez Leclerc, c'est la première fois. J'adore les bretzels. Mmh. 1er février, ah oui, bah, pas contre, mais manger quand même. Voilà. Ça. Ah non, ça c'était. C'est pas à nous ça. Enfin, c'est pas ce qu'on a acheté aujourd'hui. Regarde, bébé.
Ah, je sais ce qu'il a vu. Des jouets, regarde. Eh bien, regarde, il va servir. Tiens, viens. Attends, bébé, papa. Vous avez déjà vu hein, et mon chat, il est en train de prendre. Je lui ai pris 4 babales. Il est en train de les prendre. Et il les a pris. Attends, il sait que c'est pour lui. Il va partir avec. Non, mais c'est fou ça. Tu demandes pas, tu prends. J'ai acheté 4 babas, c'est la première fois qu'il fait ça, qu'il sert dans ça. Hein, c'est normal, tu c'est prends. C'est parce qu'il les a vus là direct, alors voilà. Hein, tu prends, c'est normal, sans demander la permission à papa, maman. Bah, il sait que c'est pour lui, c'est pour ça. Hein, ouais. Maman, on demande la permission. Il est tout fou. Prince Blanco. Ouais, mais tu sais, regarde, il sait qu'il a quand même fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Mais bon, il a fait quand même. Regarde, il se frotte dessus. Il est content, j'ai acheté des petits jeux de petites balles, il est content. Maout, c'est pas. Maout, pourquoi tu mords Blanco? Maout! On va vous partager les jouets. Non, mais attends, en plus, il joue jamais, Maout. C'est pour vous deux, les babales. Non, mais. Oui, c'est pour vous deux, Maout. Tu mords pas Blanco. C'est quoi ça? Non, mais oh. C'est pire que les enfants. La tisanière, j'ai repris la tisanière nuit calme au miel parce que j'adore cette celle-là. Elle sent super bon et j'adore. C'est tilleul orangé camomille avec une saveur de miel. Je vous la conseille si vous avez des problèmes pour faire dodo. Moi, ça, c'est radical. Après, on a pris des gâteaux. Alors, bon, ils sont un peu écrasés parce que Guillaume les a mis dans un sac. Enfin bon, le sac, on l'a mis contre le caddie. Contre le caddie. Tu peux pas vous le faire voir. Mais si, on peut. Ah si, peut-être, attends. Je vais vous montrer le bébé avec ses balles. Voilà. On a acheté des babales pour Maout et Blanco. Et ben les Blanco, il se les a apprivoisés. Et il essaie d'ouvrir le paquet. Il a été chercher dans le sac là, hein, à côté. Hein. Il prend le paquet. Alors, vous avez vu. Et oui, c'est Blanco. C'est Blanco. C'est notre bébé Blanco. Des plaisirs chouettes. Maman m'a pris des joujoux. Alors, non, j'ai pas fait. On a pris deux gâteaux, c'est-à-dire chou chantilly multiplié par deux, avec des fraises dedans et de la crème, non, de la chantilly et tout ça. Et ça a coûté 2,25€. Il y avait le choix dans les gâteaux. Mais là, chantilly est débordante. Voilà, deux petits choux. Bon, ils sont un peu. Les fricotes avec le caddie, ils ont un peu. Voilà. 2,25€ les deux. Il y avait quoi aussi? Ah oui, il y avait des mousses de fruits avec de la chantilly. Mousses de fruits, des framboises, il y avait, un truc comme ça avec des fraises. Oui, il y avait pas mal de choses. Tous au même prix. J'ai pris des fish and chips, j'adore ça les fish and chips, c'est trop bon! C'est fait avec du poisson, c'est pas comme les poissons panés, c'est meilleur, c'est tendre. C'est Fanjus qui fait ça. Ça fait longtemps que j'avais pris une fois, t'avais aimé toi quand j'en avais pris aussi. Mmh. Des fois on les voit, il y en a, il est à la télé, il les mange avec des fous. C'est un chip. Mmh. Et là il y en a 4. C'est l'original parce que pour moi il y avait des nuggets aussi. Je savais même pas qu'il y avait des nuggets. S'en fout. Donc 4 fish and chip, la marque Findus. S'en fout. Il y a quoi derrière? Saveur vinaigre. S'en fout. Bâtonnet et note de malt. S'en fout. Booster mode. Je m'énerve. Donc ça c'est à faire au four. Mais c'est trop bon. Par contre on va les mettre au congélateur tout de suite parce que soit tu les enlèves de la boîte ou tu. Enfin. On a pris des croques de poulet, tomates, mozzarella. Bah tu les mets dans un sachet, bébé, pourquoi tu réagis comme ça là? Parce que je croyais que c'était en sachet. Pour ça je t'ai fait. Non, ils sont pas en sachet. Ça sent bon. Ouais, c'est bon les fish and chips, moi j'adore ça. C'est tendre. Croque de poulet, tomate, mozzarella, il y avait plein de choix. Il y avait aux champignons, mais Guillaume n'aime pas aux champignons, donc pas pris. Je prendrai peut-être la prochaine fois pour moi. Il y avait ceux-là, il y avait oui, jambon, fromage.
Je vais quoi aussi? Un poireau jambon, poireau fromage. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Poulet champignon, je sais pas quoi là. Non, ça j'ai dit champignon poulet, ouais. Il y avait poulet croustillant, c'est-à-dire que c'était que. Mais un peu nature quoi. Que poulet, ouais. Mais en plus, ils étaient pas faits comme ça, ils étaient ronds, par contre. Enfin, il y avait plein de choix. Mais on avait pris la dernière fois des. Ben, je crois que c'était les normales qu'on avait prises, ils étaient super beaux, ils étaient tendres. Donc là, on en a pris croque de poulet tomate mozzarella, 500 grammes. Il y en a 4 dedans. Voilà. Le prix, je sais plus. De toute façon, j'ai le ticket, je vous dirai ça après. Guillaume, oh, le steak haché, dis donc. Ouais, t'as vu? Oh là là, bah, faut le refaire, faut le reconstituer. Faut même pas le mettre dans un sac. Il faut que je regarde sur internet comment le reconstituer. Faut même pas le mettre dans un sac, il est tout. Oh merde. Bon, alors en fin de compte, il y a 4 steaks hachés. Ah. 3,5. Non, il y en a 4, mais là, je. Enfin, il y en a un qui s'est un peu éparpillé. 4 steaks hachés de la marque Socopa, burger de chef. Ceux-là, on les aime bien parce que, déjà, pour mettre dans les hamburgers. Mais autrement, quand vous les mangez comme ça, ils sont super tendres. Et ils sont bons. 3,95. Moi, je les avais pas vus, c'est Guillaume qui les a vus. Et pourtant, en plus, je suis allée là parce que j'ai été chercher les côtes des Chines. Ça, c'est la première fois qu'on prend 4 beefsteaks à l'échalote. C'est Socopa, l'absolu, maxi format, multiplié par 4. 5,79€. Donc, il y a 4 beefsteaks à l'échalote dedans. Je pense que ça doit être la... Qu'est-ce qu'on mange avec l'échalote? C'est quoi la viande qu'ils mangent avec l'échalote? Qui est tendre. La bavette. Ah ben non, ils mettent beefsteaks. Oui, bah c'est pas. Ils auraient marqué bavette. Parce que je sais que ça existe aussi, la bavette, comme ça. C'est pareil. À toi, de bavette, regarde. De bavette ou ramsteak. C'est marqué derrière. Donc là, c'est des beefsteaks, c'est pas grave. Donc il y en a 4. Avec les échalotes. 5,79€. Comment? Alors, je passe avec le chariot. Je vois des trucs, là, là, croque, machin. Oh, j'ai des croques tendres, comptées. Oh là là, depuis le temps qu'on les cherche. J'adore ça. Ça, j'ai cru que la truc, elle est encore partie, je sais pas où. Donc du coup, j'en ai pris 2. J'avais pris Aldi, ils n'en ont jamais remis Aldi. Ils sont trop bons sur le comté, là. Je vais laisser dans le coup. Voilà. Guillaume, il a pris un saucisson cuit à l'ail. Je crois que tu n'aimais pas fumer. J'ai pas fait attention, je sais pas. Saucisson cuit à l'ail fumé. De la marque Eco. Normalement, il aime pas, mais vous, il a pas fait attention. Voilà. J'ai pris de la Copa, j'en ai envie. Donc, chiffonade de Copa. De la marque Repère Saint-Azé. 100 grammes. Après, j'ai pris des côtes des Chines. Alors, j'ai vu un truc, ils font la côte des Chines sans os maintenant aussi. Parce qu'au début, c'est ce que j'avais pris. Et arrivé là-bas, un peu plus loin, j'ai dit, c'est bizarre, j'ai la côte des Chines... C'est pas la même. Et en fin de compte, non, c'est là, elle est avec les os. Et ils la font sans os aussi, comme la côte de porc, maintenant qu'ils font sans os aussi. Donc, il y a 4 côtes des Chines pour 5€. Voilà. Ça, c'est, en plus, elles sont super bonnes. Hein. 675 kg. Voilà. Ça, c'est les sauces pour Guillaume. Les sauces chinoises, je crois. Ça, oui, c'est dans le rayon Nouvel An chinois. C'est la petite sauce qu'il aime bien. Hot chili sauce, 215 ml. Apparemment, ça doit piquer parce que c'est chili. Voilà. Et là, il en a repris une autre. Bah, pareil, sauce chili. Ah, sucrée. Celle-là, elle n'est pas sucrée, celle-là. Celle-là, elle est par contre, celle que je vais vous faire voir, elle est sucrée. Piment. Ouais, piment sucré Gotan, voilà, c'est une petite bouteille de 270 ml. Donc, elle est sucrée celle-là, c'est dans le rayon Nouvel An chinois. Ça, ah bah, de toute façon, bah regarde, t'as pris du fumé, mais j'avais pris du normal.
Ah, on en a pris deux alors. Oui, mais toi, t'as pris le fumé ou moins le normal. Bah, j'ai pris le moins cher. Non, mais j'ai pas pris le moins cher. J'ai pris la marque préférée. On s'en fout, on aime ça. Bon, bah, c'est pas grave, au moins, comme ça, il aura du normal aussi. On adore ça. Là. Du coup, j'avais pris un, moi, il a pas dû faire attention et. Ça va, tu fais ça dans des pâtes, c'est super bon. Moi, je mange ça avec du pain ou comme ça. Oh, mais tu mets ça dans des pâtes, même avec des œufs. Tu fais une omelette ou. T'as un petit morceau de baguette avec du demi-sel. Des œufs, avec du beurre. Demi-sel. Au beurre demi-sel et une petite tranche comme ça. Mmh. Des cornichons. Ah, on a encore oublié les cornichons. N'y pense pas. C'est bon, il n'y avait plus de place. Saucisson à l'ail, il n'y avait plus de place non plus pour mettre le pot et cornichons. Pas grave, j'aurais porté sous le bras. Saucisson à l'ail, donc combien de. 300 grammes. La marque Repère, privilège. Voilà. On a pris les œufs parce que je pense que c'est demain que tu vas le faire. Ouais. Tiramisu demain. Oui, parce que là. Donc il a pris des œufs. Tiramisu à l'ananas. Tiramisu à l'ananas. 10 œufs frais. De la marque Echo. T'as regardé s'il n'y avait pas de cassé. Non, il n'y a pas de cassé. La marque Echo, il y en a 10. Voilà. Après, on a pris du chorizo pour Guillaume, il s'est pris son chorizo. La marque Echo. Alors, 250 grammes. Je me suis repris ma saucisse sèche. Oh. Merci du chef. Oh. Ça y est, c'est parti. Saucisse. Non. Saucisse sèche. Saucisse sèche. De l'archer du sèche. Oh. Elle est sèche contre le sèche. Saucisse sèche pure porc. Oh, c'est dur. La marque Echo. 300 grammes. J'adore ça, moi. Donc ça, ça, voilà. Après, on a pris des paquets de pâtes. 3 paquets de coquillettes. Willis. Oh là là, 3 minutes. Je rigole, hein, Louis. Non, elle dit bébé, oh. Oh bébé, regarde, on s'est oh, trompé. Oh bébé, regarde, on s'est trompé. Oh, 3 minutes, les pâtes. Mais pourquoi 3 minutes? Bon, c'est pas grave, on les mangera quand même, on les fera normal. Comme les pâtes, on les fera 3 minutes. Tu vois, Louis, nous aussi, on a pris des pâtes 3 minutes. On n'a même pas fait gaffe en plus. On n'a pas fait attention non plus, les coquillettes. Mais c'était pour rigoler, hein, Louis. C'est pas pour se foutre de toi. C'est très bien qu'on t'adore. C'est pour te taquiner. On t'adore. Donc, 2 paquets et 1 offert. Ce n'est point méchant. Tu fais 3 paquets. Voilà. Ce n'est point méchant. C'est fini, le clair. Il y a ça, là. Non, mais ça, c'est... Ah oui, mais ça, c'est toi qui présente, par contre. Pourquoi c'est moi? Parce que ça, c'est toi. Ouais, alors... je vais présenter les masques. On a pris une boîte de masques aussi, parce que j'ai vu qu'ils étaient en... Ils font les masques en promo pour bébé. Il y avait tout un étalage, pour 3 euros, 50 masques. Oui, alors j'avais assez de place. On a, alors il y a des noirs, des bleus ou des verts, je crois. Des oranges. Des roses, des blancs et des jaunes. Voilà, 50 masques pour 3 euros. Et donc les fameuses babales que j'ai achetées à bébé. 4 petites babales. Ah, elles, sont en, elles sont en mousse, hein. C'est pour ça que je l'ai pris, parce qu'il aime bien. Il en a 2 grosses comme ça et il adore jouer avec. C'est la marque Saint-Bernard. Ah oui, dis donc, il y a un nouveau truc qu'ils font à Leclerc. Je sais pas si vous avez ça dans vos magasins. Mais pour les chiens et les chats, on a vu, maintenant on peut servir. Pour prendre des croquettes comme ça. Si vous prenez un... Je sais pas, c'était un sac, je crois. Ouais. Vous prenez un sac normal, un petit sac... Et vous vous servez, vous prenez votre contenance de croquettes. Il y a un kilo ou voilà. Il y en a pour chien aussi. Il y en a pour chien et chat, et c'est Saint-Bernard qui fait ça, c'est cette marque-là justement. Voilà. Ah oui, puis on a pris la litière aussi, j'ai oublié de vous la montrer. Attention bébé. La litière Katsan. Non. La litière Katsan. Non, c'est pas Katsan. Les amis,
C'est tous mes amis. Mais je prends pas 4 cents. Oh! Je crois que j'étais persuadé que c'était 4 cents avec lui. Alors, on a pris la litière 4 cents. Tous mes amis, c'est de la litière végétale, mais j'espère que je ne me suis pas trompée. Parce qu'il y a deux sortes de végétales. Ah non, il y a, c'est la végétale et il y a celle avec les copeaux de bois. Mais là, je l'ai pas vu. À mon avis, vous n'êtes pas en avoir. Parce que des fois, je prends soit celle-là ou la copeau de bois, ils aiment bien. C'est un paquet de 10 litres. Et puis bon, 10 litres, vous vous rendez compte, 10 litres, elle n'est pas chère en plus. Elle a 2 euros des poussières, c'est de moi l'autre là. Et il aime bien celle-là. Celui qu'on a acheté, la minérale, il aime trop. Je savoure rien. Voilà. Donc, comme ça, on est pareil pour Vénine. Bébé, c'est des pâtes, mon gros. Pourquoi je vais donner les. Ah, mais. Pourquoi tu t'es mis là, toi? Mais pourquoi tu t'insistes pour passer? Non, mais pourquoi j'insiste pour passer? Le mec, il est avec Chris. Donne-lui un baba. Oui, je vais lui donner, j'ai la litière. Au prince Blaco. Ce que tu fais, le bébé. Papa, il range les papas. Vous voulez babal? Mais Guillaume, il va vous faire la suite. Ah, oh, bah, 10 minutes. Hein. Oh, bah, 10 minutes. Hein. Chartier. Chartier. Alors, papa, c'est un chartier. Il y a un métier, mais. Attends, bébé, maman, elle n'est pas comme ça, hein, parce qu'il y a des agrafes. Mais ils sont toutes petites. T'es sûr, c'est des coquillettes, ça? Coquillettes. Mais ils doutent de ce que j'ai acheté. Mais comment ça se fait, ils sont toutes petites ça comme ça? C'est parce que c'est 3 minutes. C'est une nouvelle génération, des coquillettes, maintenant. Tu veux une? Bah oui, je veux. Bien sûr. Non, mais lui, il veut tout. Et... Mais on lui a déjà donné, des comme ça. Il en a des grosses. Pour ça, je lui ai repris celle-là, parce qu'il les aime bien, les mousses. On peut les prendre. Tranquillement. Je vais me balader avec. Voilà. Bon. On dirait du pays exprès, hein. Je vais les mettre là-bas dans ces trucs. Il a le bal. Il a été tellement peur que je l'apprenne. Il l'a emmené avec. De toute minute, j'arrive. Généralement, c'est censé être rangé. Il est censé être rangé normalement. Il n'est pas censé présenter. Hop, ça c'est bon. Voilà, comme ça les pâtes, ils sont rangés. On est tranquille. Voilà, comme ça au moins on a des coquillettes. Voilà. Donc à nous. Après, moi, je continue à ranger la viande. Ah, oh, Mao toujours dans les pattes celui-là. Mao, j'ai joué avec la babale avec ma cou. Donc. Cécile m'a offert le restant des cadeaux de Noël et pour mon anniversaire. Donc peu importe, que ce soit pour Noël ou pour mon anniversaire. Hein. L'un ou l'autre, hein, ça revient au même, ça reste des cadeaux. Donc Cécile elle m'a offert une paire de tennis. Donc, bien sûr, hein, je ne vous dis pas le prix parce que c'est un cadeau. Une belle paire de tennis. Donc voilà, je les ai essayés, ils sont très très bien. Taille 43, alors que normalement je fais du 42, donc j'ai l'impression que, j'ai les pieds, ils ont dû grossir, j'en sais rien. Plus fort. Ouais, j'ai les pieds plus forts, c'est même ceux que j'ai là, que j'ai acheté avec Tata Wico. Enfin, c'est pareil, j'ai pris du 43, alors que normalement je fais entre 41 et 42. Donc, je sais pas. Va comprendre Charles, je n'en sais rien. Donc comme ça va remplacer mes bleus, je vous ai dit qu'il y avait un trou de un trou dessus. Ah, voilà. Donc ça sera pour ceux-là là au pied, je les garde pour l'hiver. Et ceux-là, ça quand il va commencer à faire chaud, bah, je changerai. Oh.
Et au pire, entre-temps, je me reprendrai une autre paire. Comme ça, j'aurai toujours une paire ou deux d'avance. Et pour le prix, franchement, c'est pas cher, quoi. Voilà, en plus, comme ils étaient en promo. Donc voilà, donc ça, c'est mon premier cadeau. Cécile, elle s'est pris des bas de pyjama. C'est comme elle a beaucoup de hauts, mais elle a très peu de baba. Donc c'est 7,95€. Donc voilà, des bas de pyjama. Ouais, tout simple, hein, mais... Tout simple, hein, voilà. Hein. Voilà. Comme elle a des hauts, souvent qu'elle n'aimait pas. Puis elle m'a dit, ouais, je peux pas mettre les hauts parce que j'ai pas de bas de pantalon. Non, c'est pas ça, c'est que les hauts, ils sont à manches longues et j'ai trop chaud avec. Donc comme ça au moins, voilà, comme ça au moins elle aura des pantalons. Avec la ménopause. Ça lui fait des pantalons tout neufs. Enfin des pantalons. Allez. Oui, des pantalons de pyjama tout neufs. Pour une fois, hein, pour une fois qu'elle s'achète des affaires, hein, c'est très rare. Hein, c'est au moins, faut compter au moins tous les 1000 ans pour qu'elle s'achète. Sinon, elle ne s'achète pas. Elle préfère, acheter à manger. Offrir aux autres. Offrir aux autres, mais. Enfin, surtout, j'offrirai à mes enfants ou Guillaume. Et puis, donc, un deuxième comme ça, là, puis. Moi, je passe en après. Tiens. Bah, enfin, un peu comme moi, quoi. Comme je veux, quand je veux. Tiens. Voilà, un deuxième couleur, ouais, un peu cette couleur-là. Pas mal, c'est pour changer un peu. Voilà. Parce qu'il y avait gris, mais il n'y avait pas ma taille. Donc, j'ai pris bleu, j'ai dit, tiens, en bleu, ça va changer. Bon, c'est de grande taille, hein. Bien sûr, on a plus 15 ans, on a plus 20 ans. Hein. Non, mais même. On a dans la cinquantaine, on prend du poids. Je préfère prendre une taille au-dessus, comme ça, je suis plus à l'aise dedans. Ça me sert pas, je suis plus à l'aise. En plus, j'aime bien le bas parce que ça fait un peu comme un jogging. Voilà. Donc, c'est normal qu'on prend du poids et qu'on prend des tailles plus hauts. Ça va avec ça. Hein. C'est ton pyjama, ça. Ouais. Donc elle m'a offert pour mon anniversaire, donc je vous dis pas le prix, pour mon anniversaire un pyjama. Bah ouais, moi j'ai pas assez de pyjama. Mais je n'arrive pas à trouver des pantalons comme ça de pyjama parce que j'ai beaucoup de hauts que j'ai récupéré de grand-père. Et j'ai pas de bas. T'as pas regardé si les débats. J'ai pas trouvé de pantalon de bas de pyjama. Donc un beau petit pyjama comme ça. Voilà. Il y avait en gris ou en bleu. Bon petit jama. D'ailleurs, je vais en mettre un ce soir. Il y avait en gris ou en bleu. Hein. C'est les autres. L'autre, je vais les mettre. Le bleu, il était pas mal aussi en bleu. Je vais ramasser les tickets. Donc, bien sûr, moi, je plie. En bleu, il était joli aussi. Ouais, t'es pas mal. C'est le même système, le même dessin, mais à part qu'il était en bleu. Peut-être la prochaine fois. Hein. Voilà, tout simplement. Parce qu'à la rigueur, même tu peux te prendre pour cet été, si c'est trop chaud le pantalon, tu peux te prendre après des shorts pour mettre avec pour dormir. Ouais. Parce que le pantalon il est plus chaud. Par contre, le pantalon il est chaud. Il est plus chaud que le pantalon. Pour ça, j'ai pas compris. Ouais. Ah bon, t'as le haut hyper léger et t'as le pantalon hyper chaud. Tu vas comprendre ça. Donc voilà, il est marrant pour ça. Ouais, j'aime bien. Franchement, il est joli. Ouais, bon, c'est pareil, c'est grande taille. Hein. Moi je fais du 48. Ça t'aime bien les pantalons comme ça? Non, enfin du 48, je fais du XL. T'aimes bien les pantalons un peu excentriques? Ouais, j'aime bien, moi ça me change un peu. Ça fait penser au truc africain. Ouais. Voilà, pantalon comme ça, t'as deux poches. Et c'est rare dans des pyjamas, à trouver des poches dans les pyjamas, c'est très très rare. Bon, t'as pas de truc pour la zigounette, elle sort. T'es obligé de faire comme ça, voilà. Mais j'aime bien, franchement. J'allais dire tata Cécile, n'importe quoi. Non, c'est pas la même tata. Ma meuf, elle m'a bien choisi. Franchement, moi, j'aime bien. Et en plus, ils n'avaient pas vu ceux-là, ces mecs. Qui avaient... Ouais, franchement, ils sont super beaux. Il y avait gris ou bleu. Et noir aussi. Il y avait trois couleurs. Ah bon? Ouais, il y avait un noir, mais il y avait pas mal. La prochaine fois, s'il y en a d'autres... Donc, bien sûr, c'est moi qui a choisi. S'il y en a encore, on prendra un bleu. Enfin, elle les avait trouvés, mais après, elle m'a demandé lesquels que je voulais. Puis moi ça m'arrange comme ça, ça me fait des pyjamas propres. Comme ça au moins si on est invité par des gens quoi que ce soit, au moins voilà, j'ai des pyjamas tout neufs, tout propres. Voilà. Ensuite elle m'a repris un deuxième pyjama. Ah oui, le même que celui qu'il a, je ne sais pas si vous rappelez. Voilà. Il y en a un autre comme ça aussi. J'en ai un comme ça, mais d'une autre couleur, j'en ai même deux même.
Et c'est un genre de style un peu velours, très doux. Moi j'aime bien. Ouais, il y avait plein de couleurs. Et celui-là, il y avait plein de couleurs. En plus, il y avait même un jaune. Non, le jaune, il n'y avait pas ta taille. Il n'y avait pas ma taille, c'est dommage. Mais il était beau. Ouais. C'était un bleu comme ça, avec du jaune. Les 13 étaient tout jaunes. C'était, on aurait cru un petit poussin ou maille à l'abeille. Arrête de faire. Je sais pas quoi là. Pas d'explosif. Mais non, il y avait celui-là bleu, il y avait un gris avec du rose, il était joli le gris avec du rose. Ouais, le gris avec le rose était joli. Il y avait un tout bariolé avec plusieurs couleurs. Ouais. Il y avait vachement, en plus là, il y avait plein de XL, sauf le jaune. Ouais, comme par hasard. Donc ça, c'est des pyjamas d'hiver, hein. C'est des pyjamas en velours, donc qui veut dire hiver. Et l'autre qu'il a, il aime bien être dedans. Ouais, franchement, moi j'aime bien. Et celui-là, il va m'aimer aussi bientôt. Je vais pas mettre les deux non plus, hein. T'as pris la taille XL. Oui, tu m'as demandé de choisir. C'est pas XL celui-là, c'est taille 46. Non, c'est des XL. C'est que du XL. Ah, d'accord. Ah oui, il n'y a qu'à nous, aux femmes, qui mettent des tailles comme ça. Voilà. Ah, comme ça, ah, ça fait ça. Tu les trucs machin, ça fait ça. Avec le pantalon, bien sûr. Hein. Bien sûr, il n'y a pas que le haut. Le pantalon en velours. Et vous voyez, celui-là, il n'a pas de poche. Non, l'autre, t'en as pas. Il n'y a pas de poche. Si, dans celui-là, il y a des poches. L'autre, le gris, là, que t'as. Non, il n'y a pas de poche. Comme ça, il n'y a pas de poche. Non. Donc, un pantalon tout en velours. Bien sûr, taille 140. Voilà. Comme ça, t'as des grosses fesses. Ça change. Mais au moins, voilà, au moins, même si j'espère pas. Mais si peu, je reprends du poids. Comme du fait, c'est un peu élastique. Donc, voilà, je peux le mettre. Enfin, peut-être pas l'eau, il va peut-être. Si je grossis, il va peut-être serrer, mais au niveau du pantalon, non, quand c'est élastique, c'est. Bah déjà, taille XL, déjà, c'est déjà pas mal. Hein. Bah, l'autre, c'est un XL, il va bien. Non, mais qu'est-ce que j'étais avant, de taille 38. Ah oui. Taille 38, je passe à XL. Mais double XL, c'est trop grand. J'étais taille 36. Non, pas 36, 38. Non, quand tu m'as connu, j'étais à 36. Mais moi, pas toi. Mais moi, j'étais à 36. Mais elle est pite, cette meuf. Voilà. Donc ça, c'est mes cadeaux avec mes petites chaussures. Voilà, c'est pour mon anniversaire et le restant de... Et le restant de Noël. Donc, je vais en avoir encore d'autres, mais ça va venir... Ça va venir tout doucement, gentiment. Ouais, anniversaire. Passionnément, abondamment. Donc ça, c'est un cadeau. Donc bien sûr, je ne dis pas le prix. Donc ça, c'est pas pour moi. Ça, c'est pour Cécile. Donc c'est des petits cadeaux en plus pour Noël. C'est un pyjama. Donc il y a un petit haut comme ça, avec un style un peu... Dreamcatcher. C'est ça à quoi il fait ressembler le Dreamcatcher. C'est que Tata Wiko nous a l'a fait. Celui qui est accroché là. C'est pas Tata Wiko, c'est Karine. Non, celui-là, c'est Tata Wiko qui nous les a fait. Mais après, il y a Karine qui m'en a envoyé aussi. Non, quand on a été la voir, il nous les a donnés. Oui, mais il y a beaucoup de Tata Wiko à nous envoyer. Elle nous a envoyé loin. Vas-y, laisse tomber. Tata Wiko, elle nous a pas envoyé. Elle nous l'a donné. On a été la voir. Deux fois. Trois. Si, elle nous a envoyé un paquet. Un paquet, il y avait plein de. Justement, il y avait plein de catcheurs dedans. Il y a plein de ruines catcheurs. Bah, moi, je m'en rappelle. Et en fait, tu l'as mis où la carte que tu as reçue par courrier aussi? Et ben, je sais pas, on a reçu une carte aussi. Il est dans celui-là. Donc voilà, elle est très. Moi j'aime bien, c'est joli. Et comme j'aime bien les trucs indiens, donc. Bon, bien sûr, j'ai demandé à Cécile si ça lui plaisait, bien sûr. Oh, y avait je vais pas, je vais pas lui prendre un truc. Il mais il n'y avait pas ma taille. Donc il y a le pantalon avec. Voilà, bon, on n'est pas en velours, mais. Non, mais de toute façon, c'est pas du tout. Parce qu'elle aime plus les chemises de nuit toutes simples. Hein, non, elle aime plus. C'est plus son. Je me suis habitué au pyjama. C'est plus son dada. Pyjama avec pantalon maintenant, donc du coup. Or qu'avant, elle mettait que ça. Hein. Ouais. Mais maman, bah après, ouais, on va pas y aller. Il n'y a pas que les jeunes qui changent, même les vieux. Il voulait que je m'en prenne une avec une girafe, elle était toute jolie. Bah oui, elle est toute belle, elle était toute mimi.
J'aurais bien voulu la voir en, en girafe. Mais ça me dit plus rien. Donc. Hop. Donc pareil, deuxième pyjama que j'ai offert pour Cécile. Un pyjama tout rose. C'est moi qui l'ai choisi. Ouais, là, c'est Cécile qui l'a choisi. Ah, j'ai pris un manche long. Mais normalement, manche long, je prends pas parce que j'ai trop chaud. Mais là, il n'y avait que manche long. En plus, comme il y avait le petit chat, donc ça lui a plu. C'est vous, je sais pas si vous êtes comme moi, mais depuis que la préménopause, la ménopause, on a toujours chaud, j'ai chaud maintenant avec des manches longues. Donc avec le pantalon, tout rose. Tout rose, tout rose. Par contre, on va ton cucu, hein. Mais on s'en fout, c'est un pyjama, c'est normal. Pour la maison, hein. De toute façon, le haut, il est long. Hein. Donc je peux cacher mon cucu. Hein. C'est normal, c'est des pyjamas. Mais c'est marrant, regarde, nous, les hommes, ils sont épais, nos pyjamas. Ça te fera de l'effet, si on voit mon cucu. Mais pourquoi ça fait... mais je parle pas de ça, on s'en fout de ça. J'ai pas ça en tête, moi. J'ai un métier dans ma tête, moi. Oui, bien sûr. Pourquoi, nous, les pyjamas, ils sont épais et pas vous? Vous, ils sont légers. C'est fait exprès pour qu'on voit... vos formes ou quoi? Ça dépend des pyjamas. T'as des pyjamas qui sont pas légers. Oh, mais la plupart sont tous légers. Ça, c'est pour nous exciter. Le silence d'or, il n'y a même pas une mouche qui pète. Il y a un ange qui passe. Lundi. Oui, parce que je suis concentré dans mon travail. Parce que moi, quand je suis dans mon travail, je suis très très concentré. Ce qui veut dire, on m'entend plus. Quelqu'un peut gueuler, j'entends même pas. Je plie. Ils s'en doutent, hein, les gens, je plie. Hein. Voilà. Et elle a repris un joli petit sac avec des fruits. Putain, là. Être nouveau chez le clair. Il a plein de styles. Et là, après celui-là, des petits légumes. Ça va faire un 50. Ensuite, on a une carte, donc je ne sais pas de qui. Mais j'ai peut-être une petite idée, mais j'en sais rien. Avec des jolis petits cœurs. Donc, bien sûr, je vais ouvrir. Suspense. Roulement de tambour. Et ça, je suis sûr, c'est pour mon anniversaire. C'est une carte d'anniversaire. Tiens, qu'est-ce que je t'ai dit? Ah, il y a quelqu'un? Un an de plus, 8 plus une seconde à perdre. Oui, j'ai mimi des petits lapins. Je te souhaite. Je souhaite 525 600 minutes de bonheur pour les 365 jours à venir. Bisous. Ah, bah, c'est Christophe. Ah, j'avais pensé à une autre personne. C'est Christophe et Patrice. Ouais. Non, on pensait que c'était André. André, ouais, parce que André, il a vu normalement. On reçoit d'André pour Noël. Et normalement, je reçois une petite carte de Noël. Ah, reçu d'André. Et je reçois une petite carte pour mon anniversaire. Et là, cette année, j'ai pas eu. Donc, je sais pas. Ah, c'est des timbres Chanel. Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. C'est des timbres Chanel. Je crois qu'André m'aime plus. En tout cas, merci à Patricia, il y a Cricrib, comme tous les autres abonnés qui ont pensé pour mon anniversaire. Merci, c'est gentil. Voilà, bon petit carte, petit lapin. Et petit pain, voilà. Voilà, donc ça sera une carte en plus à mettre dans mon album. Donc voilà, je te laisse faire la fin. Moi, je me sauve. Ouais, c'est bon. On a fini ? Ouais. Ben voilà, donc c'était les cocos Leclerc. Avec ce qu'on avait besoin et bon, les petits achats en plus, les pyjamas, les chaussures. Voilà. T'as montré les... Oui, les masques, oui. Donc, ouais, t'as montré à l'intérieur? Non. Ben, j'ai vu dans le magasin. Que c'est mignon. Bah, c'est des masques.
Mais non, pour monter la couleur. Voilà, bon, je monte les masques. Donc ça se prend. Bah oui. C'est un vert pastel. Voilà. Ouais, vert. Pour monter la noir. Ça c'est orange. Ouais, orange citronné. Abroqué. Abroqué. Abricot. Là, ça passe. Ouais, orange abricot. Rose. Kicker. Kicker, rose. Cendre rose. Et blanc. Voilà. 3 euros les 50. Ça vaut le coup, hein. Mais en plus, avec plusieurs couleurs, franchement, c'est bien. Ouais. Ça change. Donc voilà, si vous avez aimé, commentez, likez, partagez, abonnez-vous. Et sonnez la petite cloche. Si. Non, pas ça, je voulais dire. Si elle est désactivée, vous la réactivez. Pour recevoir les notifications de toutes les vidéos, les lives, les posts communautés. Voilà, sur ce, je vous dis bonne soirée. Parce qu'il est quand même 10h moins 20. On en a encore la deuxième. Hein, bonne soirée et puis bon appétit pour ceux qui ont mangé, pour ceux qui n'ont pas mangé, parce que nous, on n'a pas encore mangé. Et sur ce, ben voilà, Kenavo et le salut de la reine. Au revoir. Au revoir. Alors, je ne vais pas faire de bêtises. Pause.